J'aimerais un peu plus de lumière naturelle dans cette pièce, et c'est possible, via la lumière dans la pièce au-dessus. Nous allons examiner cela. Par cette fenêtre, cette pièce est suffisamment éclairée. Si je fabrique maintenant un système pour faire passer la lumière incidente sur le plancher via la pièce située au-dessus, ceci fera une grande différence à l'étage du bas. Roger enlève d'abord à la scie les planches nécessaires pour accéder à la poutre portante, qu'il doit enlever pour obtenir un passage lumineux assez grand. Là où la poutre est sciée, il place une traverse qu'il fixe aux poutres portantes à gauche et à droite avec des sabots de poutre. Maintenant, il peut y visser le morceau scié, de sorte que tout peut à nouveau supporter une charge. Pendant de tels travaux, veillez à soutenir temporairement les points affaiblis du dessous. Travailler en sécurité prime sur tout. Il va réaliser un cadre solide avec du multiplex. Il perce d'abord des trous pour les spots encastrables et visse les quatre parties ensemble. Une équerre peut aider à fixer les plaques perpendiculaires. Sur le bord, il fixe une latte de support en bois avec quelques clous et de la colle à bois. Puis, il visse ici un cadre en aluminium tout autour, dans lequel le verre autorisant la marche sera inséré tout à l'heure. Il place le cadre dans l'ouverture et le positionne par rapport à la fenêtre. Maintenant, il peut tracer quel morceau du plafond en dessous doit être scié. Voilà qui est fait. Et en bas, une plus grande quantité de lumière filtre bel et bien. Roger positionne le cadre afin de le fixer correctement. Avec les blocs de remplissage nécessaires, il visse le cadre solidement à la structure portante. Une telle fixation est ici importante. C'est finalement le multiplex qui supporte votre poids quand vous marcherez sur le verre. Un enduit de rebouchage irrétrécissable est pratique pour lisser les trous de vis en une fois. Lorsque l'enduit de rebouchage est sec et poncé lisse, Roger applique une peinture blanche pour assurer un passage de lumière optimal par la réflexion. Dans la traversée de toit, il va également encastrer des spots. Ceux-ci peuvent toujours servir de source lumineuse. Une lumière naturelle en journée, et une agréable lumière d'ambiance quand il fait sombre dehors. Il s'agit d'une commutation inversion, donc deux interrupteurs pour le même point lumineux. Vous trouvez un schéma de raccordement clair pour tous ces fils dans le livret d'instructions de Selfmatic, et naturellement aussi dans Dobit Magazine. Une commutation inversion n'est pas si difficile. Vous reliez tous les fils jaunes, verts et bleus, le fil rouge qui sort du câble de l'armoire à capteurs sous le commutateur 1. Puis vous tirez les câbles à 5 conducteurs entre les deux commutateurs inverseurs. Et vous reliez les fils blancs et noirs au commutateur inverseur. Entre le commutateur 2 et la lampe, vous tirez un câble à 3 conducteurs et vous reliez ici le fil rouge au commutateur 2. Ces spots encastrables fonctionnent avec une lampe économique. Les 8 pièces que je vais encastrer ici ont un rendement lumineux, mais ne consomment au total que 65 watts. Le placement est simple. Ils ont une profondeur d'encastrement limitée et un câble est déjà prévu. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser de fiche dans une pièce à laquelle vous n'avez plus accès. Aussi, Roger la cisaille et réalise l'assemblage avec des bornes destinées à un fil souple. Tous les points lumineux sont commutés en parallèle afin qu'ils brûlent ensemble. Le verre est le matériau par excellence pour fermer ce trou. Procurez des données claires à votre négoce de verre afin de calculer l'épaisseur requise pour autoriser la circulation en toute sécurité. Chez Saint-Gobain Glace, on a conseillé à Roger d'utiliser Stadip Floor. C'est un verre feuilleté, donc deux plaques de verre avec un film intercalaire. Il est assez épais pour autoriser la marche et s'il devait casser, vous ne tomberez pas, car les pièces sont maintenues ensemble par le film. Dans ce cas-ci, on a choisi un film mat qui laisse quand même passer beaucoup de lumière. Ce sous-plancher est placé incliné parce qu'un toit plat était placé dessus précédemment.
Ce sous-plancher est placé incliné parce qu'un toit plat était placé dessus précédemment. Roger ajuste tout avec de petites poutres. Avec le laser auto-nivelant, il est facile de poser toutes les poutres dans un plan identique. Roger a scié à l'avance un tas de blocs de remplissage de différentes épaisseurs avec lesquels il peut placer les poutres à la bonne hauteur. Et il les fixe sur la structure portante existante avec une distance intercalaire d'un peu moins de 40 cm. Roger place l'isolation entre les poutres portantes. Si vous isolez entre deux pièces habitées, vous devez veiller à ce que l'isolation soit plus mince que celle du toit au-dessus. Autrement, vous pouvez rencontrer des problèmes d'humidité par condensation. Une isolation de 6 cm procure un chauffage économique de la salle à manger en bas et une température agréable pour dormir dans la chambre au-dessus. Vous pouvez clouer un plancher par le haut, mais Roger choisit une fixation aveugle avec des clous ou des vis à travers la languette. Il doit les placer assez en oblique, de sorte que la fixation ne fasse pas obstacle à la planche suivante. Songez qu'un plancher peut encore se rétracter fortement. Si après un certain temps, vous voulez obtenir des joints ouverts, posez d'abord les planches libres pendant un an. Puis, vous reposez le plancher et vous le clouez ou le vissez. Après la pose, Roger ponce l'entièreté du plancher. Il est important de ne déplacer la machine que dans le sens des fibres du bois, pour ne pas faire de rayures. Puis, il dépoussière le bois en l'aspirant et en repassant dessus avec un chiffon légèrement humide. Le bois doit être bien protégé contre l'humidité, la graisse et la saleté, et contre l'usure due à la circulation. Vous pouvez d'abord colorer, comme Roger le montre ici avec le blanc, mais bien d'autres couleurs sont aussi possibles. Dans ce cas-ci, il garde le plancher naturel. Avec un vernis, il applique une couche durable et inusable. Ce vernis est à base d'eau et sèche donc rapidement. Peut-être vous ai-je donné des idées pour faire entrer encore plus de lumière naturelle dans le séjour, pour isoler ou pour poser un nouveau plancher. En tout cas, si vous désirez de plus amples informations sur ces travaux, parcourez encore Dorbit Magazine. Si vous désirez me voir à l'œuvre en direct, venez à Batibo. Vous m'y trouvez du 24 février au 4 mars au Palais 10. Vous pouvez également y recevoir un superbe cadeau si vous y souscrivez un abonnement à Dorbit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Dans les travaux de nouvelles constructions de rénovation, vous avez bien vite un tas de déchets de construction. Si vous devez les emmener au parc de recyclage et tout y trier, vous perdez beaucoup de temps. Et un conteneur est généralement trop grand et trop cher. C'est pourquoi Roger choisit le sac de déchets de construction de BRN. Vous pouvez y verser 1 m³ de déchets de construction sans trier. S'il est plein, vous avertissez le service de collecte et le sac est retiré. Vous procédez ainsi. Achetez le sac dans un marché de bricolage ou un marché de construction. Remplissez-le à votre rythme. Il n'y a pas de limite de temps. Avertissez le service de collecte par téléphone, fax, e-mail ou SMS. Le sac est retiré dans les 3 à 5 jours ouvrables. Et vos déchets de construction mixte sont soigneusement triés et recyclés.